Amos, chapitre 6. Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion et en sécurité sur la montagne de Samarie. Assez grande la première des nations, auprès desquelles va la maison d'Israël. Passez à Calné et voyez. Allez de là jusqu'à Hamath la Grande, et descendez à Gath chez les Philistins. Ces villes sont-elles plus prospères que vos deux royaumes, et leur territoire est-il plus étendu que le vôtre? Vous croyez éloigner le jour du malheur, et vous faites approcher le règne de la violence. Ils reposent sur des lits d'ivoire, ils sont mollement étendus sur leurs couches, ils mangent des agneaux du troupeau, les veaux mis à l'engrais. Ils extravaguent au son de luttes, ils se croient habiles, comme David sur les instruments de musique. Ils boivent le vin dans de larges coupes, ils soignent avec la meilleure huile, et ils ne s'attristent pas sur la ruine de Joseph. C'est pourquoi ils seront emmenés à la tête des captifs, et les cris de joie de ces voluptueux cesseront. Le Seigneur, l'Éternel, l'a juré par lui-même. L'Éternel, le Dieu des armées, a dit, « J'ai en horreur l'orgueil de Jacob, et je hais ses palais. Je livrerai la ville et tout ce qu'elle renferme. Et s'il reste 10 hommes dans une maison, ils mourront. Lorsqu'un parent prendra un mort pour le brûler, et qu'il enlèvera de la maison les ossements, il dira à celui qui est au fond de la maison, « Y a-t-il encore quelqu'un avec toi ?» Et cet homme répondra, « Personne. » Et l'autre dira, « Silence. Ce n'est pas le moment de prononcer le nom de l'Éternel. Car voici, l'Éternel ordonne. Il fera tomber en ruine la grande maison, et en débris la petite maison. Est-ce que les chevaux courent sur un rocher? Est-ce qu'on y laboure avec des bœufs, pour que vous ayez changé la droiture en poison, et le fruit de la justice en absinthe? Vous vous réjouissez de ce qui n'est que néant. Vous dites, « N'est-ce pas par notre force que nous avons acquis de la puissance ?» C'est pourquoi, voici, « Je ferai lever contre vous, maison d'Israël, dit l'Éternel, le Dieu des armées, une nation qui vous opprimera depuis l'entrée de Hamath jusqu'au torrent du désert.